J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que je commence super tard le soir. On dirait que c'est une nouvelle manie. Vous savez quoi, je vais carrément aller dans mon lit pour vous parler. Je m'en fous. Je prends ma crème et je me casse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très très spéciale parce que le sujet principal sera Disneyland Paris. Je vous explique. J'ai décidé de faire une vidéo de la première fois que je vais à Disney. En tout cas, la première fois où je suis consciente, on va dire. J'y suis allée une fois quand j'étais très jeune et je me souviens de quasiment rien. Je pense que ça va être incroyable. En plus, j'y vais avec Jérémy, donc mon copain, qui déteste ça. Donc je pense que ça va être très drôle. On va le faire un peu sortir de sa zone de confort. Et j'ai trop hâte. Et en plus, je dis que c'est une vidéo spéciale parce que je vais filmer à la GoPro. Là, je filme avec ma caméra habituelle. C'est une toute petite caméra que j'adore. Mais j'ai décidé d'investir dans une GoPro. Et je pense que franchement, ça peut être trop cool pour filmer certains plans. Donc on va voir comment ça rend. Rien n'est sûr. J'attends votre avis de toute manière. Mais je pense que ça peut être assez marrant. Surtout dans les attractions, genre filmer et tout. Enfin, je sais pas. Donc j'ai trop hâte. On y va demain. Et demain soir, c'est mon anniversaire à minuit. Donc je pense que c'est la meilleure manière possible de fêter son anniversaire. J'ai très hâte. Avant d'aller me coucher, il faut savoir quand même qu'il est extrêmement tard et que demain, je suis censée me lever tôt pour aller à Disney. Je vais être KO. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian. Je vais faire en sorte de parler rapidement parce que j'ai trop de choses à dire. Aujourd'hui, je vous présente, mais j'ai envie de dire, cette chaîne connaît ce produit par cœur, l'huile de nuit Herborian. Pour la petite anecdote, quand j'ai rencontré Herborian pour la première fois, donc début 2022, on a déjeuné ensemble, c'était trop cool. Ils m'ont donné un petit sac avec des produits à tester, dont une petite fiole sans étiquette, sans rien. Ils m'ont dit, ça, c'est une nouveauté qui sort en septembre. Tu nous dis ce que t'en penses. Donc moi, je dis ok, pas de soucis. Moi, j'ai toujours adoré les produits Herborian, mais vraiment, ce produit, il n'existait pas encore, donc je connaissais pas. Et il me rappelle, genre, je sais pas combien de temps après, quelques semaines plus tard, en me disant, Andy, est-ce que tu serais partante pour venir avec nous en Corée et découvrir comment on fait les produits? Vous connaissez l'histoire si vous suivez ma chaîne, hein, vu que j'ai fait 1 milliard de vidéos là-bas. Et je vais pas vous mentir, depuis ce jour, je n'ai jamais rien mis d'autre comme huile de nuit le soir. Je suis addict aux huiles parce que j'adore me masser le visage. Bon, il n'y a pas besoin de se masser le visage pour mettre une huile, mais moi j'adore faire ça comme ça. J'étais choquée parce qu'en fait, ils m'ont rien dit de plus. Ils m'ont pas dit pourquoi c'était. Je l'ai testé et je leur ai dit, vous savez, c'est un truc de ouf parce que dès la première fois que j'ai utilisé, le matin, je me réveillais, j'avais la peau lumineuse de ouf. C'est vraiment le seul truc que j'ai dit. J'ai dit que ma peau, elle était ultra lumineuse. Ils m'ont dit, mais Andy, t'es au courant que la formulation, la création de ce produit a été conçue justement pour que les résultats se voient hyper rapidement. On dirait une pub quand je le dis. On va pas se mentir. Il y a plein de produits qui blablatent un peu là-dessus. Mais quand je vous dis que je l'ai sorti avant eux, c'est un délire. Vous pouvez foncer les yeux fermés si vous aimez les huiles de nuit. Alors, c'est 3 gouttes normalement, mais je l'adore. Donc cette huile, elle a 17 super ingrédients coréens. Parce que du coup, pourquoi la Corée? Herborian, c'est une marque franco-coréenne. J'ai d'ailleurs vu toute la fabrication, les champs, les tout. J'ai tout vu. Le yuza, le ginseng, le piment rouge, absolument tout. Et c'est des ingrédients qui sont présents dans tous les produits Herborian. Mais au niveau des résultats, ce que je peux vous assurer, c'est que je pense que la peau lumineuse repulpée, c'est ce qu'on voit direct, genre dès les premières utilisations, vraiment quand tu travailles, t'as bonne mine. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que ça me retire tous mes tout petits boutons. Cette huile vraiment m'a retiré une grosse partie de ces petits boutons, de ces petites textures que je détestais sur ma peau. Elle a une action un petit peu exfoliante, hydratante, repulpante. Voilà, franchement, je vous la survends depuis des mois. En fait, je vous en parlais, je sais même pas si j'avais le droit, je vous en parlais quand elle était même pas sortie et vous me demandiez pourquoi c'était pas sur le site. Et bah voilà, today is the day, vous pouvez vous la choper sur le site Herborian. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo Andy qui est valable sur tout le site Herborian, pas que sur l'huile, et à partir de 35€ d'achat, vous avez un gua sha offert. Et ça, je suis trop contente. Si vous connaissez pas les bienfaits du gua sha, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet là. L'huile d'ailleurs est en 2 formats différents, 10 et 30 ml. Comme ça, il y a pour tous les budgets. Si vous voulez déjà tester, je vous conseille d'aller sur la 10, même si c'est toujours plus rentable de prendre plus gros. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. J'ai beaucoup trop parlé, mais ça valait le coup. Je parle trop là, mais il va falloir se coucher parce que Disney, c'est demain. Donc à demain. Bla 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 bla. Est-ce que ça fonctionne? Blablabla. C'est un test. Ah mais non mais merde. Bonjour. Je filme avec la GoPro. Est-ce que vous aimez bien? Attends, ils ont tous des oreilles. Mais tout le monde a des oreilles. Mais t'es déjà venu à Disney ou pas? Mais j'étais petit, je me rappelais pas. Quand même. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Quel rapport avec les oreilles? Il y avait pas de. Tu prenais pas de photos avec ton iPhone toute la journée? Quel rapport? Bah donc j'ai pas de souvenirs. Mais ton cerveau il est là pour ça. Il y a pas d'iPhone. Okay, c'est pas les iPhones qui créent les. Dit-elle. T'y allais il y a 4 ans, tu te souviens même pas? J'y suis allée il y a 10 ans minimum. Je me souviens de rien, c'est logique. Je rêve.
On est rentré. Ça y est, le début des grosses bêtises. Là, je crois que c'est une de mes vidéos préférées déjà. Oh, les problèmes. Dès le début, dès la première seconde, on fait n'importe quoi. Moi, j'ai pris un beignet chocolat amande. Non, chocolat noisette. Ça me foudroyait. Y'a rien dans l'oreille. Ah, ok, chocolat. J'ai envie d'aller me détruire dans une attraction là. Bon, là on va dans une maison hantée, l'ambiance. Quoi, avec les nuages là? La maison hantée, comme mon ancien appart. Pareil. Les gars, je viens juste de capter qu'en fait on faisait juste la queue. Je me disais, mais c'est pas terrible. Mais en fait, on fait la queue pour monter dans un truc. Je pense que ça sert à rien ce film parce qu'on voit rien. Est-ce que tu aperçois ce que j'aperçois? Space Mountain. Space Mountain. Peut-être pas le faire maintenant, si. S'il y a pas beaucoup de monde, moi je suis chaude. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. All I want is Space Mountain. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire Space Mountain et que ça fait 10 années consécutives que j'attends. Donc j'ai hâte. Je pense que vous allez rien voir, mais on va essayer de filmer quand même. J'ai trop hâte. Des problèmes relatifs à votre cœur, dos, cou, mal des transports, votre état de santé. Si vous saviez comment j'ai envie de faire pipi en plus. Tu stresses? Franchement, de ouf. Genre, tu stresses vraiment? Ah ouais, de ouf. Quand j'étais petit, je voulais pas le faire et tout. Mon père, il m'avait forcé. Mais non. Après, je me dis, tout le monde le fait, tu vois. Donc, genre, quand même, tu vois, je peux le faire. Je pense que tu aimais. Ok, on va voir. Oh, les problèmes. J'ai mis en PS. Eh, par contre, c'est trop bien la GoPro parce que c'est tout minus. Genre, personne capte que je filme. D'habitude, c'est toujours un peu gênant de monter la caméra. Là, j'en ai rien à faire. Je peux faire des trucs. On y va. Oh my god, on vient de sortir. On pouvait pas trop filmer, mais j'ai un peu filmé. Qu'est-ce qu'on a pensé? Franchement, c'est énervé. T'as vu comment c'est bien? Ouais. Par contre, c'est badant. Le début là. Je trouve que ça fait vraiment peur. Ouais, ça fait peur. Un enfant, je sais pas, à 12-13 ans, tu fais ça, ouais, c'est énervé. Ouais, c'est chaud de ouf. Genre, c'est pas un petit truc. Non, je suis d'accord. Moi, je trouve perso, je trouve ça incroyable. Mais parce que ça, c'est vraiment mon truc. J'étais genre tendu. En fait, il y a un premier coup. Au début, j'étais tendu. Non, mais au début, tu fais. Et après, là, il y a un. J'arrivais pas à me détendre, tu vois. Et à un moment, genre, ça s'est calmé. J'ai réussi à me détendre, genre, en me disant, vas-y, profite du truc. Et là, je me suis senti trop bien. Par contre, c'est grave rapide, hein. Ouais, très très rapide. Moi, je pensais que c'était la moitié quand ça s'est arrivé. Ouais, moi aussi. Je me suis dit, ça va repartir en fait. Non. Mais franchement, incroyable. Je pourrais le faire 50 fois d'affilée. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens la dernière fois. C'est vraiment le seul souvenir que j'ai vraiment, c'est Space Mountain. Storytime. Comment depuis ce jour-là, j'ai une phobie de l'humidité? Je suis venue à Disneyland un jour de pluie. On s'était dit, sûrement, je sais pas, avec ma mère, que c'était une trop bonne idée parce qu'il allait avoir personne, donc pas la queue. Je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé était atroce, comme une conne. J'avais pris une paire de chaussures avec un trou dedans. Et donc, j'ai marché toute la journée avec, sous la pluie, avec une paire de chaussures trouées. Imaginez juste mes pieds, abominables, abominables. Je devais avoir 10 ans. J'avais les pieds, ça va te dégoûter, mais les pieds tellement fripés. Fripés. À dos, genre. Bah, dos, parce qu'il y avait de l'eau dans mes chaussures. C'est comme si je marchais pieds nus par terre. Ah. Que depuis ce jour, j'ai développé une espèce de phobie des trucs humides à tous les sujets. Bon, déjà, les pieds humides, c'est un truc que je peux pas. Les vêtements humides, je ne peux plus depuis ce jour. Rien que quand je sors des trucs de la machine à laver et que c'est humide, genre, c'est pas grave. Mais je suis vraiment pas fan de la sensation. Genre, enfiler un jean humide. Je peux pas, genre je peux pas. Je pourrais sortir à poil. Ok, bon, maintenant c'est l'heure de faire Star Wars. Je crois que t'es dans un vaisseau. Je sais pas, on va voir. On est dans un vaisseau. T'es en PLS du Space Mountain ou pas? De ouf. Ah non, vraiment, j'y repense là. J'y repense, je me dis que je suis en PLS. Jérémy, c'est trop un mec qui fait des malaises. Non. Si, non mais genre. J'ai peur d'en faire. En fait, j'aime pas ne pas avoir le contrôle et dans ces trucs là, genre c'est perte de contrôle total, tu vois. Tu te laisses faire. Avec un grand angle comme ça. Nos têtes. Restez où vous êtes, capitaine. Regardez, passagers de sous-bol sont. Abominable. Je suis choquée, moi qui ne suis pas sensible à ça. Une envie de vomir. C'était atroce. Non, mais là, moi, je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Toujours plus. J'ai rien regardé. J'ai rien regardé. J'ai pas regardé. Là, ça m'a plombé mon ambiance. J'ai envie de gerber, mais tellement fort. Je peux faire tous les loopings du monde si vous voulez. Mais alors, ça. Oh, par contre, c'est hyper bien fait. Hein. J'ai tout regardé. C'est très, très bien fait. C'est très stylé. Mais si vous êtes sensible au vomi, mais ne pensez même pas une seule seconde à le faire. C'est impossible. Je suis sous le choc. Du coup, je pense qu'on va vomir. Qu'on va manger. Mais c'est choquant. Ouais. Mais moi aussi, je suis retournée chez moi. Tu dois être d'une blancheur, pas blanc? Pas du tout. Bah si, en vrai. Pas du tout, en pourquoi vrai, je suis livide, mais t'oses pas me le dire. Non, franchement, c'était abominable. Voilà. T'as envie de manger quoi? Pas un truc trop énervé, mais un truc bon, un peu genre. Tu fais une petite salade. Une bonne petite salade, tu vois. Boulgour quinoa. Non, mais genre pas un hot dog, tu vois, pas des nuggets frites. Moi, je vais manger un truc comme ça. Hein. Prends-moi bien que ton avis, je m'en tape. Là, on est en mode nuggets frites. Je suis trop faim là. Il faut que pendant qu'on se pose, qu'on regarde bien toutes les prochaines attractions. Je veux rien louper. Genre, je veux pas rentrer chez moi et voir un truc et me dire, ah putain, on a pas fait ça. Déjà, en vrai, j'aimerais bien par contre refaire le train de la mine. Et Space Mountain, on va le refaire aussi. Là, faut que ça passe. Là. Non, mais pas maintenant. Mais... Ouais, si, je me sens bien.
unboxing, j'en ai eu pour 26€. Qu'avons-nous pour 26€ à Disneyland? Nous avons deux petites portions de frites. C'est assez petit. Moi j'ai pris des nuggets et Jérémy il a pris une salade. Je crois que ta salade elle est... Ouais, c'est basique hein. Ah ouais. Pour 26€ ça ah ouais, fait... salade bougeau, c'est la même à l'hôpital. Ouais, y'a pas de sel. T'as vu? Ah ouais, il y a genre zéro sel. Ouais, mais je viens de réaliser. J'ai payé 26€ pour ça. J'ai 3 nuggets là. Par contre, je pense que c'est une rupture de stock de sel, c'est pas possible. Faisons un test avec un peu de sel. Wouah. Je suis grave déçu. J'aime bien que ça soit un peu en mode fast-food, mais c'est genre voilà, archi basique dégueulasse, tu vois, pour le prix. En mode critique de Disney. Non mais tu sais, il pourrait mettre un peu de rêve dans la bouffe, quoi. Un peu de rêve. Bah t'es à Disneyland, tu vois. Je sais, tu mets quoi, Mickey Mouse qui te dit bon appétit. Non mais je sais pas, tu sais, genre des petits trucs un peu genre style à l'ancienne, j'en sais rien, tu vois. Ah, nuggets. Vraiment. Les nuggets. Les gars, on va passer sous le pont, enfin sous le château. Qu'est-ce que je raconte? On n'est pas dans un truc pour enfants. Bah attends, c'est Disneyland. Non mais tu vois, une région enfant. Parce que là on va dans le labyrinthe de Alice au Pays des Merveilles. De toute façon c'est un truc pour les enfants. Il y a trop une ambiance, bon, logique à Disney. Merci de l'info. Demandez-moi si vous avez besoin d'une revue. Mais il y a vraiment quand même... Il y a trop une architecture particulière. De ta mère. C'est pour cette ville. Cette ville est vraiment spéciale. Après on va faire les tasses. Ah non. Alors là non, je t'explique. Les tasses, c'est le truc. Non. On est pas obligé d'aller vite, mais non. Regarde, c'est tu cool. Tu dis un truc sur les tasses. Celles qui vont le plus vite, c'est les violettes. Il y a une attraction, ils ont dit sur internet, à ne pas faire après manger, c'est les tasses. Mais on va faire d'abord le labyrinthe et ensuite on va aller aux tasses. Ouais, on fera plus tard les tasses. Non, je vais vomir partout. Bref, ce que je voulais dire, c'est que t'es grave en immersion totale. C'est ce que je voulais vous dire. Tiens, fous-toi là-dedans là. Ok, let's go. Franchement, si tu le fais, Jérémy, qu'est-ce que tu veux en échange? Rien. Allez, s'il te plaît, fais-le. Qu'est-ce que tu m'offres en échange? Arrête, mais t'es malade d'aller aussi proche toi. Je t'offre ta journée à Disneyland. Voilà. En plus, il y a personne là, je pourrais y aller, mais. Vas-y, s'il te plaît. Mais tu fais celui de gauche, hein, pas celui de droite. Non, j'assume pas. Si. Non, ça c'est pas. Si. Toi, fais de cette chaîne. Vas-y, je le fais. Si je fais, si tu le fais. C'est mort, je le fais. Je rêve bien. Je le fais pas. Moi, non, je suis pas d'accord. À un moment, soit on vient de Disney. C'est ridicule. Non, mais t'es nul. Eh, franchement, t'es trop nul. Il y a trop de monde. Ils sont leurs enfants et tout, les gens. Je reviendrai plus avec toi. Ah, mais c'est ça le labyrinthe. Oh, trop bien, on va aller dans le labyrinthe. Oh lolo. Où est-ce qu'on va? Une ambiance là. En fait on est tous ensemble, c'est trop bizarre. Oh la chicha. Sérieux ça chicha? C'est pas normal à Disneyland. Mais si. Bah il fait une grande chicha, genre banal. Attendez, venez, je teste le giga grand angle. Vous voyez tout? Attends. Y'a une diff au moins? Ah mais non. Regardez le super grand angle. Est-ce que c'est cool? Lui c'est le cadet, c'est son style labyrinthe. Ok les gars, on va faire Peter Pan. Go. Go. Il y a grave du monde, mais à ce qui paraît c'est grave bien. T'es dans un petit truc de Peter Pan, quoi, dans un bateau, et tu découvres son monde. Je sais pas. Par contre, m'engueulez pas, hein, vraiment, m'engueulez pas. Parce que je sais, dans les commentaires, des gens ils vont dire mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Mais quand je vous dis que tout est fermé, genre Indiana Jones, il y a plein de trucs hyper bien, tout est fermé. Même des trucs de base, quoi. Enfin, je sais pas, j'avais vu, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, il y avait plein de trucs trop stylés, mais tout est fermé. Oh, ça a fait d'un coup, non? Ouais, mais c'est trop beau! C'est trop stylé! Alors franchement, c'était trop bien. Ouais. Par contre, c'est grave court. C'est grave court. Ouais. On est d'accord? Ça dure 20 secondes. Ah mais vraiment, c'était trop bien. Genre, c'était magnifique, trop bien fait. J'ai trop adoré. Là, c'était vraiment trop beau. C'est dans le noir, il y a des étoiles partout et ouais, tout. Ouais, c'était trop beau. En mode pirate des Caraïbes. Les gars, je crois qu'on fait de la grosse merde. Il y a marqué n'ayez pas peur de vous mouiller, mais comment ça? Est-ce qu'on leur dit que j'ai une phobie du mouillage? Ça sent la piscine. Mais ça sent la piscine, c'est ça le problème. J'assumerais grave pas d'être trempée pour le reste de ma journée. Bah ouais, j'adore. T'approches. J'adore quand ça me déforme. J'ai envie de parler que comme ça tout le temps. On sort de Pirates des Caraïbes, c'était incroyable. Franchement, trop beau. T'es d'accord? Ça a duré au moins, je sais pas. Et ça a duré grave longtemps. Au moins 5-20 minutes. C'était hyper long. Franchement, c'était trop bien. Trop bien fait, trop beau. C'est immense. Beaucoup trop de trop. Parfois, tu sais qu'il y a des gens qui commentent mes vidéos et qui marquent juste trop. J'ai l'impression que Disney c'est un truc de ouf. Genre tu vois rien, tu vois pas du tout les attractions, genre elles sont immenses. Je pense qu'il y a des trucs sous terre, on se rend pas compte quand on fait la queue, on descend, je sais pas, mais tu les vois pas forcément de l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux faire? We'll be right back.
T'en prendras pas du tout. Les gros problèmes. Non, je veux bien une cerise. Je ne suis pas très bonbon. Merci. Une cerise. Oh, elle est cassée. Je ne suis pas très bonbon. Où allons-nous? Tchoum tchoum tchoum. Ticket. Jérémy va vomir. Pas une violette. Une rose, c'est entre les deux. Ouais. J'espère qu'elle est waterproof la GoPro, comme ça tu peux vomir dessus tranquille. Sympa. Welcome to my tax. Je te jure, vas-y tranquille. Ouais. Je suis pas dans mon assiette. T'es dans ta tasse là. Je suis dans ma tasse là, je suis pas dans mon assiette. Allez là. C'est tellement long. Ah là je te fais tourner là. Eh ben c'est pas toi. Je te fasse tourner moi. C'est moi tourner dans le vide, vide, c'est dans le lit. Ah la gerbe. Ah la gerbe. Ah c'est dur. Là, on est sur un Star Wars. Star Wars, non, Star Wars, ça va tout lire quoi. Faut jamais faire ça. Non, Star Wars, j'ai jamais vu un truc aussi qui m'était aussi mal. Je suis bien d'accord. On va faire Buzz l'éclair, on a failli l'oublier, mais là on vient de se rendre compte qu'on l'avait pas fait. Donc let's go. Oh là là, qu'est-ce qu'on fout là? Comment? Il y a un score, c'est celui qui fait le meilleur de nous deux. Oh là là, je vais te battre. Mais vous visez quoi? Vous visez quoi? Ah mais oh là là, on peut tourner. Mais c'est... Les débiles. T'as 160? Non, j'ai 1600. Ah, j'ai 800. Ça marche plus, genre je suis dessus, ça marche pas. Putain, je me fais avoir là. Ah mais ça a rien à voir quand on a vu comme ça. Il m'a battu. Actuellement en train de faire la queue pour les voitures. Là on fait tout n'importe quoi, on est en train d'essayer de rentabiliser notre fast-pass je crois. J'y vais là. Ouais vas-y. Regarde. Oh, la conduite, t'as peur. Sans permis, sans code. Faut que la ramode la voiture là. Eh mais c'est dur hein. C'est dur vraiment. Bah j'arrive pas à rester dans les clous. T'es bien dans ma voiture? Franchement rassuré hein. Rassuré? Bah à 10 km ça va quoi. Tu veux qu'on passe vite fait récupérer les colis hein? Tu veux que je te dépose? Ça me dérange pas, c'est sur la route. T'es tout. Oh la descente, filme-moi ça. Ah les problèmes. Oh, à minuit c'est mon anniversaire. Bientôt le permis. Ça fait combien de temps? 3 ans que tu peux l'avoir. Est-ce que je dois dire aux gens que j'ai pas ma journée d'appel ou est-ce que c'est trop honteux? C'est une vérité. Je rebascule sur ma caméra normale. Oh, ça fait grave bizarre. Est-ce qu'on a fait Space Mountain sans vous? Oui. Là, c'est trop trop beau. C'est l'heure du coucher de soleil. C'est magnifique. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Trop, franchement trop cool. Est-ce que tu passerais pas une meilleure journée avec une pomme d'amour? Mais j'ai pas l'impression que vous en avez. Sur mon départ, j'ai personne avec une pomme d'amour. Voilà, que pour les popcorns. Bah, c'est un bon spectacle. Il faut vraiment vouloir les popcorns. Tu veux faire quoi? Moi, j'avoue, j'ai trop envie d'une pomme d'amour, bah, mais il y en aura jamais. Regarde, là, vite fait, s'il y a une pomme d'amour et comme ça, dans 10 minutes, c'est le spectacle. Pendant le spectacle, les attractions, elles sont open. Ah bah oui. Mais ça veut dire qu'il n'y aura personne dans les attractions. Ça veut aussi dire qu'on loupe le spectacle. Je sais pas si c'est l'idéal. Viens, on demande à un stand si ils savent où je peux trouver des pommes d'amour. Bonjour. Bonjour. On cherche des pommes d'amour, vous savez où est-ce qu'il y en a? On avait sur le Disney Village, il faut sortir à l'extérieur. Ah oui. Après, vous pouvez rentrer de toute façon dans le parc. Ok, bon, à la recherche de pommes d'amour. Sinon, bah, tant pis. Mais je le sens pas. Oh, delicious sweet. Oh là là, je vous en supplie, dites-moi que vous avez des pommes d'amour. Je ne vois pas de pommes d'amour. Mais. Non, mais attends, je peux pas croire que là-dedans tout ça, il y aura pas de pommes d'amour. Il y a des choses, je peux y croire. Ça, je peux pas y croire. Bonjour. Est-ce que vous avez des pommes d'amour? Non. Ok, bon, il y a pas de pommes d'amour. Un petit peu d'aigle, mais c'est pas grave. Le spectacle, c'est dans 10 minutes. On se tente le train de la mine une dernière fois pour voir s'il y a pas trop de monde. Vu qu'il y a le spectacle, je me dis les gens, ils sont là peut-être en attendant le truc. Ok, tout le monde qui marche dans l'autre sens. C'est plutôt rassurant. Oh oh, 25 minutes, c'était une mauvaise idée. Bon, du coup, on le fait pas. Je te propose qu'on aille acheter des chips et qu'on aille regarder le spectacle. Let's go, un grand paquet de lace. Ah, je suis très contente. C'est tellement beau, coucher de soleil. On a beaucoup de chance sur le temps. Ouais. Genre il fait ni trop chaud ni trop froid. Il a pas plu, le ciel est bleu. Là il est rose, c'est trop trop bien. Prêt pour le spectacle, je sais même pas ce que c'est le spectacle. Je crois que c'est un peu d'artiste. Il y a que un peu d'artiste? Non, je pense qu'il y a autre chose. Mais t'es sûr que c'est 20h? Ouais, je crois. Parce que c'est pas du tout ça. J'avoue, il est 20h04. Qu'est-ce que tu m'as fait comme histoire? En fait, c'est 21h. Mais moi, je peux pas attendre une heure là. Moi, je veux me déchaîner dans une attraction. J'ai acheté une sucette mini. C'est une sucette sablée, genre ça m'a trop intriguée. J'aime trop les sablés, donc j'espère que c'est un sablé. Tu vas pas réussir à le voir. C'est pas un effet d'optique. Non, c'est vraiment sablé. Ah ouais? Comme un gâteau sablé, genre. C'est un gâteau sablé. Trop bon. Par contre, c'est énorme. Je m'en fous. Moi, c'est ton anime. T'es déjà comme un gosse. Ton anime.
C'est vraiment magnifique de nuit, c'est trop trop beau. J'aurais peut-être dû en acheter un toute la journée. Il est beau hein. Non mais c'est ambiance Noël en fait, j'avais pas capté. C'est une boutique de Noël. J'ai l'impression d'être à New York. T'as pas l'impression? J'ai l'impression qu'on est en plein Vlogmas là et que je fais des boutiques pour trouver des boules de neige. Des boules de neige, des boules de Noël pour mon sapin. Quelques jours plus tard, je vous fais un débrief de cette journée de Disneyland parce que, pour être honnête, j'étais tellement KO. Et surtout, c'était mon anniversaire, donc je suis restée avec Jeremy et voilà, c'était cool. Franchement, Disneyland, mais incroyable. Incroyable. Je suis choquée de voir à quel point ça nous déconnecte et de voir à quel point on est connecté aux réseaux sociaux et tout dans la vie de tous les jours. Parce que là, bah du coup, même si j'avais filmé ma vidéo, enfin, j'étais pas du tout sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et le changement, comment ça fait trop du bien. Vraiment, ça m'a encore plus ouvert les yeux. Je le savais, mais ça me confirme. Et voilà. En tout cas, c'était incroyable. Je recommande Disneyland pour ceux qui y sont jamais allés. Par contre, le Fast Pass, du coup, au début, je rageais de ouf parce que sur l'application, il y avait marqué que j'avais accès à genre 5 attractions. Enfin, je sais plus. Mais en fait, pas du tout. J'avais accès à quasiment tout en Fast Pass. Les trucs où j'avais pas accès, c'était juste bah les attractions, il y avait genre toujours 5 minutes de queue. Sinon c'était vachement bien. Par contre je trouve ça excessivement cher pour un passage. Malgré tout c'était cool de pas faire la queue parce que quand je voyais les 15, enfin on a vraiment pas fait la queue de la journée, genre le maximum qu'on a dû faire c'est 10-15 minutes. Et je sais que ça change tout parce qu'attendre 45 minutes pour une attraction qui dure quelques, genre une minute même pas, c'est hyper frustrant. Donc voilà, si vous pouvez le prendre, prenez-le. Je pense que votre journée sera vraiment mieux si vous pouvez vous permettre quoi, parce que c'est très 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 cher. Genre 90€ pour un passage, c'est vraiment prenez mon argent quoi. Bref, en tout cas Disneyland incroyable, beaucoup trop de monde le soir au feu d'artifice. Et encore, je me dis, il y avait pas beaucoup de monde à Disney, donc j'imagine même pas quand c'est blindé de monde. Mais en tout cas, c'était une trop bonne expérience et je veux prévoir ça. Genre, je veux avoir mon rendez-vous tous les ans. J'ai trop envie de, genre, tous les ans aller une fois à Disneyland ou dans un parc d'attractions parce que c'est vraiment trop bien. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a changé un petit peu et n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est hyper important, surtout sur la caméra. Dites-moi si vous aimez bien pour quelques plans de certains vlogs et n'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos parce que il y a Herborian, la petite huile de nuit. Vous pouvez me suivre sur Insta, je suis active vraiment tous les jours et je suis aussi active sur YouTube 2 fois par semaine, une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche à 18h. Active les notifs, abonnez-vous à la chaîne si jamais ça vous plaît, moi ça me ferait trop plaisir. Et nous, on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Est-ce que je vous spoil? C'est une vidéo pour mon anniversaire.